Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VIII. La dernière fois, la compression temporelle a eu lieu. Et donc, on se retrouve... Ah, près d'Eda. Alors, voyons voir ça. On va faire un scan pour voir qui... Aïe Alors, à qui on a affaire? Nécromancienne, sorcière de l'au-delà apparue avec la compression temporelle. Utilise une magie peu puissante. D'accord, on sait pas combien de points de vie elles ont par contre. Allez, c'est pas grave. On va se servir des GeForce Bahamu ici, GeForce Shivala pour les deux. Ah, il y en a deux. Esqual va soigner un peu tout le monde. Brasier. Ah oui, en effet, c'est peu puissant. Allez, on commence Bahamu directement. On va essayer de la booster un petit peu. Bon, c'est mal parti. Allez, 129, c'est pas mal. Ok. Alors, on a d'autres qui arrivent. Le tout est de savoir combien on en a à battre. Ah, on se retrouve sur la plage. C'est parti avec Shiva cette fois. Vas-y plus. Eh ben on va reprendre Babu pour essayer de retuer deux. Et on va faire Arnica sur Zelle. Est-ce qu'on peut leur voler des choses? Ah, on peut leur voler des choses. Intéressant. Ah zut! Bon, il va pas être très fort ce Babu. Allez, encore deux en moins. Mais sur combien? Ah, on se retrouve dans la serre de combat. Mais directement contre deux.
Rafale. Voilà, c'est bien, ces magies-là, ça permettra de réaméliorer les capacités. Deux ailes. Ouais, 150, c'est bien. Ça va largement suffire pour tuer les nécromanciennes. Allez. Oh, elle est différente celle-là. Mince, j'ai pas vu ce que j'ai volé. Nécromancienne prêtresse du temps, jadis adepte de la sorcellerie, plus effrayante que dangereuse. D'accord. Ah, double, ok. Meltdown. Embêtant ça, Meltdown. Pour elle. Allez, voilà la deuxième. Oh, 930. Eh ben, on va se refaire un Arnica. Clairement. Un Rock Météor. Allez, on va à deux autres de battu.
C'est quoi ça? On va refaire un scan du coup. Parce que ça c'est peut-être dangereux à force. Ah, je peux voler les fournaises, c'est bien ça. Je vais en voler aussi avec l'ino un peu. La pitié de l'au-delà apparue avec la compression temporelle. On va lui voler un peu des choses quand même, parce qu'elle a... Ah, oh, elle fait mal celle-là par contre. Ça permet de gagner 9 sidérales. Est-ce que c'est dès qu'on s'en prend à elle et nous fait mal? 5. Ok. 4. Mal joué là. Oh, ça a pas suffi pour la tuer. Deux. On va essayer de les booster un peu. Ah, il y a peut-être deux G-Force, j'espère. Parce que j'aime pas trop le truc là. Ultima, oh, Ultima, c'est pas bon. Je vais perdre Zelle. Allez, on va récupérer Zelle. Oh, c'est bien ça. Bon, malheureusement, elle va me la tuer. Ah, en plus elle va nous refaire.
3. Ultima. Encore. On a volé un Rock Ultima, c'est pas mal ça. Ouais, est-ce qu'elle va mieux? Celle-ci, et on va rattaquer avec Bahamu un peu. Allez, c'est bon, on s'est débarrassé de la nécromancienne. Ok, on a gagné des rocs, 55 points de compétence. Alors après, a priori je dois être... Ah, je suis à... comment dire... Mettre à la fouine. Décide du futur. Moins chanceux que nous. Nous allons mettre un terme au sinistre règne d'Ultimetia. Très bien, alors on va juste prendre quelques objets quand même avant. Voilà, ça va être mieux comme ça.
triple est en stock, Linoa. Et d'ailleurs, en fait, j'ai volé des choses avec Zelle. Et puis, bah, allez, on est parti. On va rentrer dans la... dans la citadelle. Ou plutôt, on rentrera dans la citadelle la prochaine fois. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, un épisode un peu court. Mais bon, je sais que derrière, il y a des boss qui nous attendent. Donc on attaquera ça la prochaine fois. Il ne nous reste plus que la citadelle à faire. J'espère que cet épisode de Final Fantasy VIII vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.